Le journal des sports, premier numéro de la semaine. Merci d'être avec nous. Avant tout, les titres. Ce sera une lutte à deux pour le titre. Mazembe et V-Club se livreront la bataille ultime pour désigner les champions 2017 de la Division 1. Les deux clubs ont gagné dimanche 3-0 pour les Corbeaux contre Mungano et 1-0 pour les Dauphins Noirs qui s'étaient offert les derbies contre les SMP. Résumé de ces deux matchs ainsi que toutes les réactions à suivre dans ces journaux. Et les tableaux de représentants congolais aux prochains interclubs de la CAF est désormais précis. Si V-Club et Mazembe seront à la Ligue des Champions, de Sempé et Maniema Union seront à la Coupe de la Confédération. Dans ce journal, zoom sur ces deux derniers clubs qui référeront leur retour en Afrique. Et puis, la grande famille sportive de la RDC, une fois de plus endeuillée. Le sportif congolais pleure Francis Limola qui a tiré sa révérence lundi 4 à 4h du matin au clinique universitaire de suite d'une crise cardiaque. L'ancien président de la fédération de judo a donc succombé de cette maladie. Dans ce journal, vous suivrez son portrait et son parcours. Ravi de vous retrouver. On commence par le championnat de la Division 1. C'est le sprint final dans le play-off. Sauf changement, le champion 2017 sera connu ce mercredi 19 juillet. Ce sera après le duel au sommet entre le tout-puissant Mazembe et l'SV Club de Kinshasa. Les deux clubs ont gagné dimanche avant pour s'offrir les derniers combats pour le titre. À Kinshasa, l'SV Club a été le plus fort dans les derbies face au dernier club Motema Pembe. Score de la partie 1-0. L'unique but a été inscrit par Yannick Bangala. Retour sur ce match. Vita Club, Daring Club à Motema Pembe, un quatrième acte entre les deux grandes équipes de la capitale cette saison pour se disputer une place en Ligue des Champions de la CAF. Au finish, ce sont les Moscovites qui l'emportent 1-0 et peuvent désormais jouer la plus prestigieuse des compétitions africaines interclubs l'année prochaine. Le Daring, lui, a accompli sa belle mission de retourner en Afrique après 6 ans de passage à vide. Manquant des rythmes, les hommes de Tiss Ngoma se montrent très timorés face à une équipe de 20 clubs très enjambée après s'être éliminée de la Ligue des Champions de la CAF. Un quart d'heure seulement a suffi à Tadi Agitsetekiama pour s'illustrer, mais la tête du Rwandais passe dans les nuages. Et en ce début de rencontre, V-Club contrôle mieux le débat. Ce centre de Ngonda Glody oblige Diaké Selola à mettre le cuir en corner. Et la suite verra Yannick Bangala placer sa tête pour le 1-0. Ça c'est bien fait pour une tête. Et voilà le premier but. Le Daring se trouve mené et obligé de réagir aussitôt. Mais les dispositifs tactiques de Florent Ibenge mis en place empêchent les hommes de Tiss Ngoma à une véritable réaction. 1-0 sera le score à la pause. Encore une tête, malheureusement. Après les citrons, le Daring prend de nouvelles initiatives avec Jean-Marc Mundele Makusu. Et aussitôt, V-Club répond par l'entremise d'Atouba. Le centre du Camerounais sera ici enrayé in extremis par les défenseurs immaculés. 56e minute, Jean-Marc Mundele déborde et décide alors de jouer en collectif. Mais son dernier geste trompe toute la défense, mais sauf le portier camerounais Nelson Lukong. Qui n'a pas permis à Jean-Marc. Une parade du Camerounais, mais également une action d'école de Jean-Marc Mundele qui n'aboutit pas. Nous jouons les ultimes minutes de la partie et Tekiama bénéficie d'un penalty après cette faute. Mais moins inspiré, et tout à écouta loupe la sentence. 1-0 score final, V-Club l'emporte et devra chercher la consécration finale à Lubumbashi le mercredi prochain lors de la 14e et dernière journée de play-off. Oui, une belle, précieuse victoire qui offre aux Dauphins Noirs le droit de rêver du sacre. V-Club qui, au passage, prend sa petite revanche sur le dernier club de Motema Pembe. Après les matchs, les réactions des coachs, elles contrastent entre joie à V-Club et coup de colère côté des SMP. Et oui, Otis Ngoma s'est déchaîné et a lâché le mot. Attention pour vos oreilles. 1-0 pour l'association sportive V-Club. Oh, mais de réalisme, je crois qu'un championnat de merde. Hey, ça fait 3 semaines qu'on joue pas, le championnat a été arrêté depuis 3 semaines. On marque des compétitions. Ça c'est un championnat bricolé, je ne sais pas quel genre. Comment est-ce qu'on peut faire toutes 11 mois pour faire un championnat? C'est pas possible. Là, on a eu un problème de rythme depuis le début. Donc, vite un compétitif, nous on marque des matchs. Ça fait, on l'a joué depuis le 22 juin. Vous imaginez? Faire un premier match contre V-Club, un championnat, attendez, même si on était le Real, mais on allait subir, on le savait, on allait subir. Les réalismes, ça vient avec la répétition des efforts. Là, on a manqué des efforts, on ne les a pas fait normalement. Le football, c'est un spectacle. Il n'y a pas qu'un expert, le retour, de, on tenait à cœur de faire un bon match aujourd'hui. Mais je crois que V-Club n'a pas été super.
à nous, même dans le jeu. Mais sauf que, comme je vous l'ai dit, on n'a plus de compétition depuis plus de 3 semaines, un mois. Ça nous a trahi. C'est ce qu'on cherchait, hein. Je crois que c'est une belle apothéose qui va se passer à Lubumbashi mercredi. Là, je suis très content parce qu'aujourd'hui, on est en Ligue des Champions. On était déjà qualifié pour la Coupe d'Afrique. Aujourd'hui, on a la Ligue des Champions. Et je pense que c'est mérité. On a été, par rapport au précédent match contre le Dering, on a été plus intelligent parce que les matchs d'avant, on attaquait comme à tout va et on se faisait contrer. Aujourd'hui, on a adopté un bloc beaucoup plus bas. On a laissé faire le jeu, c'était sciemment. Et quand vous regardez bien le match, ben, le Dering n'a pas d'occasion. Et c'est bien fait. Ah oui, avec le maître du plus vieux derby de la capitale, c'est aussi grâce à un homme, il s'appelle Nelson Lukong Bungaman, le gardien de verre noir impérial. Avec cette statistique impressionnante, il a fait 8 ans qu'il n'a plus perdu contre les Imaniens. Sa dernière défaite contre les Saint-Pierre remonte à 2009, avec le club était battu par un score de 2-1. Dans l'autre match du jour, à Bukavu, le tout-puissant Mazembe n'a pas tremblé. Le leader a bien voyagé. Victoire facile contre la lanterne rouge. Mungano, 0-3. Suffisant pour le Corbeau de conforter leur place et surtout de foncer vers le titre. On revoit le match. C'était un déplacement amplement réussi par le tout-puissant Mazembe Yanglebert. Dimanche à Bukavu, où le Corbeau de Lubumbashi était reçu par l'Olympique Club à Mungano. Un match comptant pour la 13e journée de la phase du play-off de la Division 1. Une rencontre décisive pour le titre que Mazembe a maîtrisé et plié en 25 minutes seulement. D'abord, dès la 16e minute, cette balle arrêtée de Jean Kasusula Kilicho va atterrir sur la tête de Kevin Mondeko qui n'a qu'à mettre le cuir au fond. 1-0. Le défenseur central des Corbeaux, congratulé par son entraîneur Miyayo Kazembe, montre la voie aux siens. Et devant la machine mazembienne, les bleus et blancs des Bukavu ont du mal à résister, surtout lorsqu'il y a deux cadeaux offerts aux champions en titre, comme sur cette image. Le gardien Justin Dikou commet l'irréparable et Ben Malango, en vrai renard de surface, conclut l'action. 2-0. Une bourde inexplicable des bleus et blancs, Mungano s'incline à la pause. 2-0. Une mi-temps trop agitée, caractérisée par cette bagarre généralisée des supporters sud-kivusiens, mais content du résultat au marquoir. Après la tempête, la deuxième mi-temps peut donc reprendre. Elle reprend tout de même malgré ce temps d'agitation et Mazembe est toujours maître du terrain. Mungano tente de relever la tête. Malheureusement, Sylvain Gbohou reste intraitable. Et sentant les dangers venir, Mazembe corsera l'addition à la 69e minute grâce à Nathan Sinkala qui va conclure de plus belle. Cette action collective, 3-0. Mazembe l'emporte et reste leader, ex-aequo avec Vita Club, 30 points chacun. Des clubs adversaires qui le Corbeau croiseront ce mercredi à Kamalondo pour la finale. Et naturellement, ce succès à l'extérieur a fait du bien au staff technique des Corbeaux qui salue. Une performance qui ouvre la voie vers le titre. Pamphile Miyayo et Frédéric Kitenge se disent confiants avant de recevoir les clubs mercredi. On les écoute. Je suis satisfait de la prestation de mes poulains parce qu'ils ont tout donné du début jusqu'à la fin. Et ça, vous savez, tout ce que c'est un match pratiquement physique et aussi tactique. Donc, ils ont écouté ce qu'on leur a demandé de faire et puis ils ont arraché la victoire. C'est un match très important et très capital pour nous et ça ne sera pas un petit match. Donc, il faut se préparer à tout. Mais nous allons préparer notre équipe pour pouvoir gagner ce match-là. On est satisfait parce qu'on est venu chercher ces 3 points ici à Bukavu. Heureusement qu'on n'a pas mis beaucoup de temps. Après un quart d'heure de jeu, l'équipe de Mazembe ouvrait déjà le compteur but et qui nous mettait en très bonne position. On avait besoin de ces 3 points. Maintenant, c'est Mazembe qui est champion de l'Alina Foot. Au coup d'envoi de ce match, c'est Mazembe qui est champion de l'Alina Foot. Donc, Vec Club doit tout faire pour battre l'équipe de Mazembe à Kamalondo au stade TP Mazembe, ce qu'il n'a jamais fait, jamais alors, pour prétendre prendre la coupe, pour prétendre prendre le championnat, le titre de champion. Mais vous savez que le règlement, c'est l'article 224 de RGS, les règlements généraux sportifs, qui stipule qu'en cas d'égalité de points entre équipes, le classement s'est fait en tenant compte du meilleur goal différence. Or, aujourd'hui, le meilleur goal différence est à l'avantage de TP Mazembe. Et le deuxième point dit, si le goal différence n'est pas décisif, il est tenu compte du plus grand nombre de buts marqués. Vous savez que
c'est peut-être la répétition du premier parce que on a marqué le plus de buts, on a encaissé le moins de buts par rapport avec l'autre. C'est seulement en troisième position qu'au cas où le nombre de buts marqués ne départage pas les équipes, que le goal à verrage particulier serait à l'avantage de Verclub. D'une compétition nationale à une autre, à la Coupe du Congo, le champion de la 53e édition est connu. Il s'appelle Maniema Union. 10 ans après son premier titre, le club de Kindu a remporté samedi son deuxième de la série. C'était après sa victoire sur le Saint-Éloi à Lupopo au bout des tirs au but. C'était 1-0 au terme du temps réglementaire. Et après ces matchs, il y a eu des sanctions, notamment contre le perdant, Saint-Éloi à Lupopo. Son secrétaire général a été suspendu, tout comme le club qui a été exclu de la compétition pour une durée de 5 ans. Lupopo a dit s'est plié à la décision, mais compte quand même faire appel. On a justement joint le secrétaire sportif de ce club, Donat Moulongoy, qui était au téléphone de Doudoumbala. Non, nous n'avons aucunement pas l'intention de polémiquer autour d'une décision d'une grande instance du football. Nous nous sommes pliés, nous avons reçu la correspondance, la notification depuis hier à 19h, et je crois que nous allons user de toutes les voies de recours pour nous faire entendre. Voilà. Non, comment nous pouvons reconnaître les bévues d'un responsable comme moi, qu'on m'accuse d'incitation à la révolte, c'est trop. Au-delà d'être responsable, ça fait plus de 15 ans que je suis aux côtés de mon équipe. Je n'ai jamais été suspendu ni dans mon équipe, ni par mon entité inférieure. Et donc, je crois qu'il y a eu des éléments d'appréciation qui ont un peu échappé, pour lesquels nous allons fournir nos moyens de défense. Et lorsqu'on va siffler le penalty qui a été jugé par nos fanatiques d'injuste, et finalement, comme il n'y avait pas séparation entre les deux groupes de fanatiques, il y a eu frottement, il y a eu collision physique, et ça a fait qu'il y ait cette violation de la zone neutre, non seulement par nos fanatiques, et même par les fanatiques de Maniema Union. Et la police, en usant de l'utilisation de bombes lacrymogènes, les portes de fer de les stades sont fermés et tout le monde devait faire les sauf qui peut. Voilà, donc nous avons tout fait pour calmer ces débordements et c'est comme ça que le match a repris. Voilà, nous sommes plus ou moins surpris de ces multiples sanctions à l'encontre du club. Comme je l'ai dit tantôt, nous nous plions tout en usant de nos droits, des réserves et des recours auprès du comité exécutif. Nous combattons autant aussi la violence. Nous ne pouvons pas appuyer qu'il y ait casse parce que les infrastructures sportives doivent être protégées. Nous déplorons ce qui est arrivé. Et puis on connaît officiellement la configuration de représentants congolais aux prochains interclubs de la CAF, à la Ligue des Champions. Il y aura Mazembe et Veklub et à la Coupe de la Confédération, De Saint-P et Maniema Union. Après une longue absence, les deux clubs retrouvent le continent africain. Zoom sur ces deux clubs. Ils seront deux à représenter la République démocratique du Congo à la Coupe de la Confédération et ces deux sont connus. Après 10 ans passés entre ombre et enfer, l'Union sportive Maniema retrouve la fraîcheur africaine, mais devra prendre son mal à patience jusqu'en 2018 pour voir son antre, le stade Joseph Kabila de Kindu, accueillir, si possible, un match continental, ce stade même qui l'a permis de dompter le Saint-Éloi Lupopo en Coupe du Congo. Le second se nomme le dernier club Motema Pembe, le Topamaros, les Immaculés, les Originaux reviennent sur la scène continentale après 8 ans d'absence vécue entre troubles, scissions et incompréhension. Classé 3e de la phase de play-off avec 27 points, le poulain d'Otis Ngoma peuvent dire, même après la défaite face à l'SV Club, oui, nous l'avons fait. Ça sera donc une Coupe de la Confédération qui connaîtra la participation de clubs qui ont passé plus de 5 ans sans disputer le moindre match africain. Que pourrons-nous attendre de cette participation? 2018 nous en dira. Oui, un bon retour à ces deux clubs en Afrique. Un mot du basketball, 34e Coupe du Congo. 3e jour de compétition, c'est lundi 17 juillet au Stadium de Martyrs. 3 rencontres étaient au programme. En première heure, le duel entre les Matelots de Kinshasa et ceux de Matadi a vu CTP Kinshasa s'imposer devant CTP Matadi 92 contre 51. En seconde explication, les champions en titre, le Basket Club New Generation, a pulvérisé le Popo 83-32. En dernière affiche, le Basket Club Mazembe a son tour battu Mwanga 84-49. C'est mardi, 4 rencontres seront au menu de la 4e journée. Parmi elles, le choc entre V-Club et Atari. Et puis, Mazembe qui va affronter Terreur.
On va finir par cette note triste. Le sport congolais encore en deuil. Francis Bimola a tiré sa révérence lundi à 4h du matin aux cliniques universitaires de suite d'une crise cardiaque. Il était ancien président de la Fédération nationale congolaise de judo. Il a succombé à l'âge de 57 ans. Il a laissé derrière lui un palmarès élogieux pour le judo congolais. Retour sur le parcours et le portrait de cet homme. Une fois de plus, la mort a frappé à la porte du mouvement sportif congolais. Cette fois, c'est un fin passionné du judo qui s'en est allé. Francis Bimola Mwamba a tiré sa révérence dans la nuit du 16 au 17 juillet 2017 aux cliniques universitaires. Longtemps malade, l'ancien président de la Fédération nationale du judo de la RDC s'était pourtant rétabli il y a quelques semaines avant de dire complètement adieu au monde sportif congolais, monde qu'il a pourtant fréquenté à plusieurs reprises. C'est une crise en plein sommeil qui l'a emporté. Une perte énorme donc pour le sport congolais, d'autant plus que l'homme a laissé derrière des empreintes indélébiles dans le sport congolais en général, les judo en particulier. Né le 23 mars 1960, Francis Bimola démarre sa carrière sportive en 2002 comme président du judo club Saint-Paul de Barumbu. 2005, il est vite élu président de la FENACOJU pour un premier mandat de 4 saisons. Mandat qu'il va finir en 2009, mais l'homme restera au poste puisqu'il sera réélu. Et puisqu'il sera réélu pour un nouveau mandat de 4 ans, c'est-à-dire de 2009 en 2013. Et jusqu'à la venue du bicéphalisme en 2015, le judo congolais connaîtra une crise sans précédent. Situation qui l'oblige de partir et laissera la fédération entre les mains d'Abibo Lomalisa. Durant ce mandat, Francis Bimola a réussi à extirper les judo congolais du ghetto en qualifiant pour la première fois les léopards judo de la RDC aux Jeux Olympiques de Pékin 2008. Et ce sera le début d'une colonisation du judo congolais en Afrique. Plusieurs médailles seront ramenées au pays, or, argent comme bronze, lors des Jeux de la jeunesse en Thaïlande, puis au Liban, pour le compte des Jeux de la francophonie. Bref, Bimola avait complètement réussi à faire renaître les judo congolais. Francis Bimola, un grand sportif qui nous quitte. Voilà tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous mercredi soir. En attendant, bonne suite des programmes sur Télé 50. À très bientôt.